troisième journée de Betclic Elite. Et ce match, on peut le dire, des extrêmes entre la SIG et la AS Monaco. Ici, Aurélius, dans une ambiance survoltée, match à guichet fermé ce soir. La Roca Team ici arrive lancée. Voilà, vraiment pas de doute dans les têtes monégasques sur ce début de saison. Il y a les résultats en Betclic, hein, 6 victoires, aucune défaite. Il y a cette victoire en Euroleague sur le parquet du Pirée. Celle-ci, ça donne encore plus de la confiance à cette équipe monégasque. Allez, c'est parti, la 7e journée. Ce match entre une SIG qui n'a remporté qu'un match et cette équipe de Monaco qui n'en a pas perdu un seul. Et cette passe, elle est incroyable de Mike James. Est un bijou, la finition de Moté Younas est impeccable, incroyable cette frappe. C'est pas pour rien qu'il a plus de 7 passes de moyenne, il a une pista, il a plein de passes, parce qu'il a confiance ses partenaires. Johnson qui va finir main gauche, finger roll exceptionnel, et loin. Pour la suite, voilà qui va emballer le Rélius et emmener tout le monde. Voilà, Mike James, bah, il est chaud là, il a très envie. Mike James, allez où? Il est en mode passeur, Mike James, qui de mieux que Johan Makoutou pour réceptionner un ballon aérien. Mike James, il va continuer à enfoncer, tranquille. Ah, si personne ne vient, il va multi-quick. Bah non, mais là, effectivement. Et il le voit même pas, Akin, il est trop petit, vous avez vu. Alors, ok, tout ça régale. Et ça part de Mike James. Cet esprit collectif-là, qui va essayer d'enchaîner. Ça vient de lui, ou vient de lui, ou presque. Marcus Kidd, Rainbow Shot, il est cherché très très haut, quasiment au plafond du Rélius. Mike James, super. Voilà, on l'attend direct. Il est là, il est tranquille, vous avez vu comme d'autres. Non, mais sur le jump, on sent qu'il est DTR, on sent qu'il est focus. Mitchell, le premier shoot, longue distance, le premier palier tout simplement de Matt Mitchell dans ce match-là. Monaco ne met que de 2 points, Fred, à la pause grâce à ce palier. Ici, on réussit, rien n'est fait. La Roca Team n'a que 2 points d'avance à l'entame de ce 3e carton. Il va falloir faire preuve de beaucoup de sérieux parce que le Rélius s'est emballé. Diallo, permis à résister dans les airs. De Diallo. Alpha Diallo qui réclame la faute. Il la mérite. Il la mérite largement cette faute. Le N1, là, il est mérité, plus que mérité. Je comprends, de la frustration. Grosse, effectivement. Et Younas, il a fait le ménage. Et voilà. Tout déménagé. Et voilà, il Moté Younas près du cercle, exactement. Jonathan Moté Younas à 17 points. La menace, fois. La grosse menace. Ah oui. Kidd. Là aussi, il conserve de Moté Younas. Comme viseur, ce shoot-là est monstrueux. Il vient pomper le torse, gonfler les muscles. Marcus Kidd, c'est un énorme, un immense shoot. Voilà. Mitchell. C'est fort, ça. Le drive, c'est magnifique ce qu'il vient de faire. Position à droite, superbe. Ça manque de chrono intelligemment, ça va lui provoquer la faute. Ça va avoir une faute. Ah, c'est lui l'assassin. C'est lui l'assassin de ce match-là. Jordan Lloyd régale Aurélius. Il est en train de tuer le game. Ils ont 5 points et t'as une ambiance bruyante quand même ici. Diallo, N1. Alpha Diallo qui lui aussi gonfle les muscles. Et lui aussi vient mettre un gros coup de clip sur le Aurélius. Game over. Oui. On va en rester là. La Roca Team continue son cavalier seul dans notre Betclic Elite. 7e match et 7e victoire au moment où ça compte dans un match. Ils arrivent à se resituer. 7 matchs, 7 victoires. Cette Roca Team est insatiable et mort de faim tout simplement en Betclic Elite. Not a pretty game, but we got the win, and that's most important. So great atmosphere. They played well. They made a lot of tough shots. So we just had to bring some more intensity in the second half, and that took us to the win. Every night, whoever we're playing, we're going to get their best. They're going to play physical. So we just got to try to be mentally locked in every night. Red Star, one of the most physical teams in Europe. You know they're going to come hungry. They just had a big win at home. So. We have to prepare, be mentally locked in, and play great defense, and I think we'll be able to take care of it.